salut à tous bande de fils de pute, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième FAQ centrée sur le bilan de la chaîne en répondant à mes propres questions. Let's go. Commençons par la question qui fâche, pourquoi il n'y a pas une seule vidéo de Rocket League sur ma chaîne alors que j'en avais parlé sur ma première FAQ? Eh bien je pardon à Zutagagagaga, je papapapaninique ta grosse chienne. Oui, je... Pensez printemps, les amis! Maintenant que j'ai répondu à cette question de merde, je peux parler de choses importantes selon moi. Pourquoi je sors de moins en moins de vidéos sur Axball avec des reins et des joueurs violés? Tout d'abord, j'ai une vie en dehors de l'internet binaire. J'ai rencontré il y a quelques mois ma moitié. Je vous présente ma femme, ma dulcinée, celle que j'aime jusqu'aux étoiles, Nelly, I love you so much. Eh oui, j'ai sale géré bande de rageux, orage de mon charbonnage. Mais ce n'est pas ma seule raison de faire moins de vidéos sur des joueurs violés. Le gros problème est que les joueurs font de moins en moins de boulettes, hormis deux gros trisomiques, qui se nomment Nonema et NRK. Ces mecs sont des fils de timp, ils font tellement de conneries que je pourrais faire une nouvelle chaîne YouTube. La chaîne se nommera Les Enfants du Axball. Ça ressemble aux Enfants de la Lune, mais ce n'est pas le soleil qui leur brûle, mais plutôt ce ballon de 3 pixels. Ils n'arrivent pas à tenir ce ballon plusieurs secondes. Ça commence à vraiment m'énerver, je pense que je vais supprimer la communauté. Pour calmer ce fils de con de Kalimdor, voici une petite improvisation musicale d'NRK, avec supplément en fond d'Axball. NRK ! Tous au sort ! Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis... Ah,